Tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Could it be too love to let it go? But if you never try, you'll never know just what you were. Lights will octobre. Le bataillon reçoit l'ordre d'attaquer Vermel par sa face sud. Grosse difficulté. Toutes les maisons sont défendues et fortifiées.
L'attaque et la progression des divers éléments continuent la nuit. Toutes les troupes se couchent dans les tranchées. Le 15 octobre, le jour de mort du soldat escouron. À la pointée du jour, continuation par le bataillon de la progression sur Vermel, maison par maison. Très violente fusillade de nuit et combat sérieux au moment où, par suite de l'attaque de la gauche, les autres fractions cherchaient à progresser. Plus de 20 tués et 100 blessés. Plusieurs blessés tombés aux mains des Allemands, le chiffre en est inconnu. Une soixantaine de disparus probablement prisonniers. Octobre. Nuit calme. Dès la matinée, brouillard épais qui se prolonge tard, gênant toute la journée les tirs de l'artillerie. Progression lente sur le front d'attaque de la veille, quelques tués et blessés. À 17h se déclenche de Noyelle une attaque sur la Corne et à la lisière de Vermel. Fusillade très vive comme la veille. Fusillade au commencement de la nuit sur toute la ligne. Octobre. Journée consacrée à la progression sur le village, travail de tranchées, démolition de maisons, de murs. Mais à chaque mouvement en avant, vive fusillade de l'ennemi terré dans ses tranchées. Vers 4h, le bataillon est relevé.